Dans les listes, comme dans les statistiques, on a parfois besoin d'accéder à des dates plus ou moins éloignées de celles du jour. Pour ce faire, on peut cliquer sur les petites flèches qui se trouvent ici et ici. Mais il y a plus simple. En cliquant sur le mois et l'année, vous aurez la liste des mois de l'année en cours, cliquable pour accéder plus facilement à la date souhaitée. Vous voulez remonter encore plus loin? Vous pouvez cliquer à nouveau sur l'année et vous accéderez ainsi à la liste de toutes les années pour pouvoir faire votre sélection.